Dans l'épisode précédent, Kay se rendit à l'agence des taxis pour comprendre leurs problèmes. Apprenant qu'ils sont en grève car leur patron refuse de les payer, il décida d'aller parler à celui-ci. Ne voulant rien savoir, c'est au cours d'un match Pokémon que l'affaire fut résolue. Les chauffeurs étant de nouveau opérationnels, Kay se rendit à l'arène. Une fois le champion vaincu, il obtenut son troisième badge et put se rendre au bike shop afin d'obtenir son vélo. Continuant sur sa route, il arriva à Brushton, où, dans une maison, une dame lui fit don d'un mystérieux œuf Pokémon. Hey! Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Pokémon Solar Light et Lunar Dark. On avait dans l'épisode précédent eu un œuf que j'ai rappelé dans le petit intro juste avant. Donc je ne sais toujours pas quel Pokémon je vais avoir. J'ai choisi bleu. Je me suis dit que c'était plutôt sympa. On va faire un demi-tour. Donc, hop. On prend le petit vélo. Ah, attendez. Ah, j'ai cru que c'était une porte. Ça n'est pas une. On croirait un tapis de porte. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'en être. Oh non! Enfoiré! Tu m'as piégé! Je ne te pensais pas comme ça, cycliste Alberto. C'est pas grave. Je vais battre tes Pokémon. Je vais m'en aller! Waouh, ok, tu fais mal. Mais, oh merde, je fais pas plus mal. Vas-y, tu peux le faire. Quick attack! Nickel! Ok, on va changer de Pokémon, c'est un deuxième, parce qu'il est un peu dans la merde celui-là. Oui, on va changer de Pokémon, ouais. Ah, Simba. Bon, j'ai hâte de voir cet œuf évoluer. Par contre, il va être niveau 1. Ah bah, Multi-X. Multi-X, mon pote. Et bah là, il va vraiment servir, parce que je l'ai retiré de mes Pokémon. Ah, j'avais oublié de reparler de ça. Parce que vraiment, je trouve que ça ne servait à rien. Mais... Multi-X, ça va servir, quoi. Bon, par contre, avant qu'il soit au niveau 30, c'est vrai que ça fait un peu tard pour donner un œuf. Enfin, je trouve, quoi. Ah non, c'est... Bah ouais, on dirait des tapis, des machins. Bon, on continue l'aventure. Par ici. Oh, j'ai cru que t'étais un pirate avec ton bonnet. On aurait dit un pirate. Ah, tu n'as qu'un Pokémon. Nickel. Oh, c'est quoi? C'est un bulldog? Pupoule, pas poule. Mince, j'ai oublié de changer de... d'attaque. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Je n'ai plus de voix. La voix revient, s'il te plaît. Merde, il est paralysé, ce coup. Ah ouais, bah, si t'attaques pas, voilà. Voilà. Oh, merde. Je croyais pas lui faire cette attaque. Ok, ma voix est partie. Pourtant, j'ai pas fait la fête hier soir. Non, je vous le promets. En plus, je me suis couché tôt pour pouvoir tourner ces épisodes entre le travail et du coup, je sais pas pourquoi j'ai pas de voix, mais c'est pas grave, je suis toujours autant motivé, c'est génial. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Pokémon, ouais, de toute façon, ça changera rien. De toute façon, Boxy, il est en page. Ouh, on va passer sous la route. Non, il faut avoir surf. Ah, oui, on passe sous la route. Ah, j'y ai cru. Bon, niveau 14, c'est pas terrible, hein. C'est pas le genre de Pokémon qui va m'intéresser. En plus, je vais m'intéresser plus à... Non, mais c'est juste pour une Pokéball. Pas une hyper potion, d'accord. Oh, y a un truc par terre. Non. C'est quoi, ça? Chesterberry. Ok, bon. On va retirer le vélo, parce que parfois, ça me... J'aime. C'est bien, mais c'est chiant, le vélo, parfois. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, puisque t'as du mal à gérer tes mouvements. Oh! Un spony. C'est un poney, quoi. C'est un pony. Un poney poison. Oh non! Oui, bon, vous l'avez compris, les dresseurs parfois m'énervent un petit peu, hein. Parce que j'aime bien découvrir. Et. Ah, mais en vrai, c'est vrai qu'on peut pas esquiver. Vas-y, je fais carré. Oh, mais un peu dit. Bon, au moins, je découvre un nouveau Pokémon. Ça, au moins, c'est plutôt cool. Ok, bon. C'est pas très efficace. On va faire Aqua Jet. Tu vas voir si mes attaques sont pas efficaces. Prends Aqua Jet.
Voilà! Ça t'a calmé! Tu es plutôt malin! Et ouais, avec ton saut là! Ok, bon, on a une Pokéball là. Sunstone. Sun, soleil. Et là, par là, non? Ouais, il nous faut surf. Hein. Bon. Bon, il nous faut surf. Donc toi, je t'ai déjà affronté, donc c'est bon. Alors, on va peut-être continuer par là. J'espère trouver le suite du chemin. Je crois que pour l'instant, je suis limite perdu. Boxy, non. Il faudrait vraiment que j'achète un repousse. Oula, full heal. Ça, c'est bien, ça. C'est une guérison. Oh non, mon dieu, mais... Mais par où il faut aller? Je suis perdu. J'ai besoin d'un GPS. Cycling Park. Non, mais là, c'est pas d'où je viens. Ah, merde. Ah. Peut-être. Bon, bah, au moins, ça m'aura fait faire 2-3 trucs et j'aurais eu un œuf. Love Ball. On est d'accord que dans Pokémon, ils inventent vraiment, mais vraiment des Pokéballs qui ne servent à rien du tout. Elles ont aucun intérêt, parfois. Ok, vas-y, cut-moi ça. Bon, c'est un peu chiant de pouvoir cutter des trucs. On est à la suite de la route. Bon, on va voir par là ce qu'il y a. Bon, on va prendre ça. Left stone. Une pierre légère. Non, c'est pas, ça veut pas dire ça. J'ai vu une dresseuse, on peut le faire doucement. Je n'ai pas envie de t'affronter. Oh, mais c'est pas possible! Bon, bon, bah les couilles des baies. Mais il est où le chemin? Ah, il est en bas. J'ai eu peur. Je vous le cache pas, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru m'être pris une deuxième carotte là. Une deuxième quenelle. Oh, mais il m'affrontait pas. Ah, nickel! Oh, salut. Eh, hey, tu es venu jusqu'ici? Non, bah moi, il a pas éclos, hein, mon œuf. Oh, merde. Je voulais pas faire de combat, en fait. Je ne voulais pas faire de combat. 3 Pokémon. Bah, ça va me suffire pour te détruire tout espoir. Voilà, c'est ce que j'appelais par détruire tout espoir. C'est vrai que, oh mon dieu, mais le fait que je les ai montés comme ça, ça va m'aider pour une bonne partie de l'aventure, je pense. Vas-y, envoie Simba. Simba, tu peux le faire. Waouh, il est énorme ton machin. J'ai l'impression d'avoir des tout petits Pokémon, moi. J'ai l'impression que c'est des jouets, mes Pokémon. Des peluches. Alors qu'eux, ils ont des énormes trucs. Et mon dieu, quoi. T'as pas idée d'avoir des attaques aussi puissantes? Enfin, je dis ça, c'est pas comme si je lui ai mis presque KO une attaque, mais bon. Nickel. Ouais, on va changer de Pokémon. On va faire des allers-retours entre Boxy et Simba. Bon, Misha. Ouais, je te garde. Oh merde, j'aurais dû garder Simba. Mais comment t'es pas moche? On dirait un Torterra, tu sais, qui a une déformation de naissance, le truc. Oh, mais comme il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Alors moi j'ai des attaques super efficaces. Mais toi aussi tu dois en avoir. Voilà exactement, il en a. Oh merde. Simba, je compte sur toi. Flamwell. Nickel, t'attaques en premier, c'est efficace, c'est tout ce que j'ai besoin. Niveau 28. C'est bien Simba. Ah! Nouvelle attaque. C'est quoi? C'est pas mal du tout. À la place de... À la place de Humber. Vas-y, à la place d'Humber. Parce que Humber, c'est un peu comme si c'était plus trop une attaque puissante. C'est pas grave, je vais arriver dans la ville direct sans te Pokémon. Ah mince, il lui en reste un. Ah oui, c'est vrai. Ok. Allez, s'il te plaît. Bon, j'ai 8 niveaux. Voilà. C'est bon ça, Simba. C'est ça que je veux. Je t'ai encore battu. Eh oui. Eh oui, bon travail. Ah, nickel, elle me soigne. Bon, si elle me soigne, c'est que je vais peut-être avoir 2-3 emmerdes après. C'est peut-être pas la ville derrière, tu vois. Je le sens comme ça, parce que s'il y a un centre Pokémon... Exactement.
Oh non. Oh non. Oh. On dirait un... Tu sais, les gâteaux aux crevettes, là. Ou tu sais, les petits gâteaux où tu mets un knack dedans. Ouais, franchement, la vérité, on dirait ça, hein. Non, on va pas y aller par là. Ouais, moi j'ai pas envie de les affronter. Hein. Hop. Ah. Allez. Encore le knacky. Mais t'as dit qu'on ferait des knacky. On peut pas courir. Hein. Et le vélo, je pense que c'est impossible aussi. Oh là là! Mais avec la tempête de sable, tu peux pas me voir, c'est pas possible. Merde. Ah, t'as capturé un Knacky. Félicitations, mon pote. Je suis fier de toi. Mais vraiment. Voilà. Ça, par contre, Discount, je suis vraiment fier de toi, là. Ça, c'est beau, ça, c'est du beau jeu, ça. Ça fait plaisir. C'est nickel. One shot. Ok, tu vas monter d'un niveau. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'est quoi ça? Bah là, on dirait un knacky qui a fondu. Vraiment. C'est quoi ton attaque tout nul là? Arrête ça! Arrête ça! 4 fois. Merde. Mais arrête ça! Bon, là, c'est pas toi, mais bon. Ça ne l'affecte pas. Ah, il loupe son attaque. Oh là là. Discount. Bah, dis donc. Bon, c'était pas très efficace, mais en attendant, tu m'as retiré 3/4 de ma vie en 2 attaques. Hein? Allez, fais-moi une vive attaque. Oui! Ok, on va changer de Pokémon. J'y crois plus. Discount, je ne crois plus en toi, je suis désolé. Je peux plus croire en toi, là. Il va te rester quoi? 6 points de vie? Putain. Ah! On va prendre qui? On va prendre Boxy. On va noyer un peu tout ça là, ça va régler le problème. Mais t'es relou avec tes attaques. Ah, je vous promets que j'aime pas les attaques comme ça qui durent une demi-heure là. Moi j'aime bien un jeu rapide. Un jeu où ça enchaîne là. Au moins. Ouais, au moins c'est rapide. Vraiment, je vous le dis, j'ai déjà fait. Je me suis déjà amusé à télécharger des ROM et c'était que des cheats où les dresseurs ils t'attaquent pas, où t'as des max repousses illimitées. Et mon dieu quoi, c'est génial! Bon, pour monter tes Pokémon c'est un peu compliqué. Mais disons que les dresseurs tu peux les affronter que si tu leur parles. Parce que c'est toi qui veux les affronter. Mais mon dieu, mais c'est génial. Ça change le jeu, vraiment. C'est plus le même jeu derrière. C'est plus agréable. Bon après c'est compliqué parce que tes Pokémon ont du retard. Du coup, tu leur donnes 2-3 super bonbons cheatés. Oui, je sais. Mais bon, c'est pas grave, c'est drôle. Bien sûr, je fais ça une fois que j'ai fait le jeu en legit, hein, je précise. C'est-à-dire que je l'ai fait sur la version, par exemple, platine. Et platine, je l'ai sur DS et que j'ai fini. Hein. Bon, où est la sortie? Mon dieu. Oh non. Je pensais pas trouver un Pokémon. Oh! Mais toi, tu me plais beaucoup. Bon, t'es bas level, du coup, je vais pas te prendre. Mais. Ah ouais, j'ai quand même 10 niveaux de plus que toi, mon pote. Ah, j'hésite. Ah, il est grave stylé quand même. Ouais, mais tu dois être un Pokémon type combat. Et. Pokémon type combat, ben. J'en ai déjà. Et je l'aime déjà, le mien. Hein. Après, c'est vrai que blanc et rouge, c'est des couleurs que j'aime bien, quand même. Je trouve que ça fait ressortir ton caractère. Puissant, tu vois. Boxeur là, kangourou boxeur. Waouh! C'est un Pokémon de type feu ça ou c'est Knacky à retardement? Mon dieu, mais ils ont fait combien de Knacky différents? Les mecs, ils avaient plus d'idées de Pokémon, ils étaient en train de faire un apéro. Ils ont fait ah, mais c'est pas mal ça! Il suffit de rajouter des yeux et puis c'est bon. Ok! Ok, centre Pokémon, direct. Direct. Est-ce que je vais avoir un nouveau badge dans cet épisode? Je pense pas, à chaque fois, on c'est un petit peu galère à chaque épisode pour avoir un nouveau badge. Enfin, à chaque nouvelle ville, pour avoir le nouveau badge direct, il y a toujours des épreuves à passer. Mais peut-être que dans cette ville, ça va être cool. Bon, je sens que Boxy va faire mal, hein, quand même.
J'ai le pressentiment que... Bon, par contre, est-ce qu'il y a une arène ? Hein ? Non. Non, mais dites-le moi s'il n'y en a pas. Hein. Ah, bon, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas aller au gym ? Enfin, à l'arène ? Ah, bah c'est bien, mais moi non. Je veux pas que tu y ailles. Ah merde ! Mais pourquoi ? Eh bah écoute, parce que je t'aime pas, tu... Change de coupe de cheveux. Ah, il aime pas ma coupe. Ah, merde. Bon, je plaisante, hein. Il m'a dit que le dresseur faisait une exploration dans une cave ou une connerie comme ça. Du coup, qu'il n'était pas disponible pour le moment, qu'il faut les rappeler après le bip sonore. Voilà. On va faire le petit tour, parce que pour l'instant, j'ai vu qu'une sortie. Là, on dirait qu'il y a quelque chose par là. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a qu'une sortie. Au moins, je suis sûr de ne pas trop me tromper. Oui, j'ai baillé. Oh, un petit peu ce qui se passe dans les... Ok, bon, c'est bien. Ah ! Ouais, c'est vrai qu'il y a un changement d'environnement dès que tu rentres dans un endroit, c'est impressionnant. D'ailleurs, le soir, parce que je joue, vous voyez qu'à chaque fois, il fait jour. Parce que s'il fait nuit, il fait vraiment nuit dans le jeu et on voit rien. C'est un peu chiant. Et... Ah, désolé, mais tu... Ah merde, j'ai que 4 badges. Ou que 3 badges, il me faut 4 badges. Plutôt, ouais, c'est plutôt ça. Merde ! Cool. Putain, y'a personne, quoi. Ah, t'as pas été parti. Ouais, donc je disais... que la nuit, on voit rien. Et qu'en plus, là où j'étais, il y avait de l'orage. Pas en vrai, hein, dans le jeu, il y avait de l'orage. Du coup, on voyait absolument rien du tout. Est-ce qu'il y a un délire par là ? Elle est où, ta grotte, mon pote ? J'ai pas compris, là. Donc, on va parler à toi. One eternity later. Donne-moi ce que je veux. Oh oui, il me l'a donné. Wouhou. Les gens, ça fait un quart d'heure. Un quart d'heure. Que je cherche. C'est fou du truc. Non, c'est pas ça. Putain, c'est pas ça. C'est pas ça. Je l'ai mis tout en accéléré, hein, tout ce qui s'est passé, parce que j'ai pas envie de mettre un quart d'heure où je cherche et où je ne parle même pas. Pour vous montrer, parce que vous l'avez peut-être vu, c'est que je dois pousser un truc. Bon, aquaring, finalement, ça ne sert à rien. Vas-y, tu apprends force. Strange. Bon, pour ceux qui parlent anglais, vous avez foutu de ma gueule, mais j'arrive pas à prononcer. Il y a certains mots en anglais comme force, strength, j'arrive pas à le prononcer. Voilà, c'est tout. C'est dit. Bon, du coup, parce que là, j'en ai eu un petit peu marre. Rupert, putain, il m'en reste un et deux super rivals. Bon, ça devrait le faire, j'espère. J'espère vraiment que ça va le faire. Bon, si je me souviens plus ou moins, c'est par là. Ou peut-être pas du tout. Ou peut-être pas du tout. Oh là 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 là. Oh là, la mémoire de poisson rouge. Oh non, mais s'il te plaît. Ah, elle est là, la grotte. Oh, youpi. Je suis à côté. Bon, le problème, c'est que du coup, comme j'ai du pas... Merde, j'aurais peut-être dû soigner mes Pokémon avant. Oh merde, le con. Bref. Le problème, c'est que du coup, je sais à combien j'en suis depuis le début. Hein. J'en suis déjà à 35 minutes. Mais je sais pas combien ça fait pour vous, vu que j'accélère mon... Bon, on verra. Voilà, Simba. Bon, on espère pouvoir y arriver facilement dans la grotte. Hop. Ouais, parce que Discount, il va pas aller loin. Toi, me cherche pas d'ennui. Non, c'est bon. Et allez. S'il te plaît. Yeah. Nickel. Bon, on va voir ce que c'est ça d'abord. Ah, allez, corde de sortie. Nickel. Allez. Merde, c'est par où? C'est par où? Il est où? Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une momie. Oh, j'en ai affronté une tout à l'heure. Elle craint rien, la meuf, quoi. Ah, il y a deux personnes qui parlent. J'ai peut-être trouvé.
C'est le cas. Ah merde, bon attends, il y a une momie qui me fait chier là, me poursuit. Ah non, cette fois-ci c'est un mâle. Bon. Pas le même, mais c'est pareil. Salut. Oh non, mais je suis devant. Oh. Laisse-moi tranquille. Putain, c'est un couple. Le couple, il m'attaque. Putain, le couple de momies, quoi. Salut. Choisis un des fossiles. Merde. Ok, d'accord. Il y a eu un petit problème, je pense. Ah, il a trouvé des fossiles de Pokémon. Désolé, je n'étais pas à l'arène. J'étais en train de rechercher des fossiles. Bah c'est cool, tu vas m'en donner un. Bah c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Ok, ah, des Pokémon fossiles. Franchement, les Pokémon fossiles, j'adore ça. Ok. On va choisir la griffe, hein. Ah ouais. Oula. Non, mais... Jusqu'à là, faut que... Ah, ce gros tas de sable, il me fasse chier. Yeah. De type fossile. Donc là-dedans. Lui, choisit. Yeah, yeah, yeah. Vas-y, va au gym, toi, hein. Ah. T'as soigné mes Pokémon? Ah merde, j'ai cru. T'aurais pu, hein. Franchement, t'aurais pu, tant qu'à faire. Franchement, t'es pas cool. T'es pas cool, mec. Ils m'ont mis une pierre. Il y avait pas de pierre, à la base. C'est pas grave. De toute façon, t'imagines, moi, je parlais mon Pokémon, j'étais bloqué. Ouais, 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 c'est cool. Allez, sors de là. Et cette fois-ci, on va affronter le champion. Tu m'embêtes avec tes cailloux, là. Tu m'embêtes vraiment avec tes cailloux. Oh mon dieu, j'ai cru qu'il allait m'affronter, j'ai bloqué, j'ai fait non. Finalement, non. Ok, c'est cool. On va rester là-dessus, parce que là-dessus, au moins, les Pokémon ne m'affrontent pas. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Ah, dommage. Ok, bon. C'est pas grave. Ok, les gars. On est chaud. Et dans cet épisode, nouveau badge. Je le dis, nouveau badge. Au dernier épisode, j'ai eu un nouveau badge. Là, j'ai mon quatrième badge. J'enchaîne les badges. Je suis chaud. Je suis badgeologue. Non, je plaisante. Mon dieu, je sens des conneries, moi. C'est pas possible, ça. Bienvenue au centre Pokémon. Tu voudrais que je soigne tes Pokémon? Oh, bah oui, avec plaisir. Merci. See you again. Maybe. Oh, maybe not. J'espère pas. Bon, à mon avis, oui. Hein. Oula. Voilà, ça, je sens que c'est le piège qui pue. Je sens qu'il fallait pas aller par là. Exactement. Parce que s'il y a un dresseur, de toute façon, c'est qu'il faut l'affronter. Non, pas forcément. Oh. On va pas passer derrière lui. Hein. Eh, mais attends. Ah, j'y ai cru, ils m'ont fait un faux bond. Tant pis. Tant pis. Yeah, je suis tout excité là. Nouveau badge, les gars. On va faire la moitié des badges. Bon, ça c'est quelque chose de bon, ça. Allez, crame-moi. Fais-moi cuire ce snacky. Ce knacky, pardon. Ce knacky. Putain, mais mec, c'est quoi ces Pokémon? C'est vraiment quoi? On dirait des biscuits confondus. Ah, ton attaque augmente contre moi. Ah ouais, est-ce que tu crois que tu vas avoir le temps de m'attaquer? Eh ben non. Ah bah c'est fini. Ouais, bah c'était un peu facile. Vas-y, retourne dans la forêt, comme tu le dis. Parce qu'en plus, là, t'es en plein... Ok, on va mettre Boxy. Parce que je le sens un peu plus adapté à ce genre de situation. T'as dit Skoon, il va falloir l'entraîner dès que je sors d'ici. Parce que là, il est pas du tout efficace. Faut l'entraîner. Salut, toi. Qu'est-ce que tu me montres? Oh, lui, je connais. Par contre, je connais aussi que ça fait mal. Eh oui, c'est super efficace. Je sais. Allez. Comment ça Ah, non, mais vous ratez. Ok, bon, un tour qui sert à rien. M'énerve, ça.
Yes. Par contre, là, tu te loupes pas. Yes. Bien joué. Bien joué, Boxy. Je suis fier de toi. Non. On garde le même. Un gros tas de sable. D'accord. Eh bien, écoute. Ce qu'on fait contre les gros tas de sable, on les noie, les gros tas de sable. Exactement. Ou attention. Ou là, tu m'as blessé. Ou tu m'as fait mal. Ou pas. Ou pas du tout. Non, loupe pas ton attaque, s'il te plaît. S'il te plaît, loupe pas ton attaque. Je suis en train de mitrailler le bouton. Vas-y. Project. Yeah. C'est bon, ça. Ouh, bientôt level 28. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Non. Viens voir, là. Salut. Hey Dustin. Oh, on voit Dustin en bas. Tu as combien de Pokémon? Tu en as un seul? Ok, ça va être vite fait. Un gros tas de sable en plus. Ok, ça va être vite fait. En plus, il va monter niveau 28. Nickel. Je te remercie de faire monter mon niveau 28. Enfin, mon gros. Mon Boxy niveau 28. Boxy. Bien joué, Boxy. Niveau 28. Yes. Bon, ça. Ah, nouvelle attaque. Casse-brique. C'est 75 et ça c'est 50. Oh, pas mal. Sur 15. Ah, merci. Ouais, à la place de Karate Shop. Vas-y. Comme ça au moins. Bon, tranquille. Oh, Boxy évolue. Wouh, c'est bon ça. Nouvelle évolution, nouveau Pokémon. Ça fait super plaisir. Boxy. Il évolue en quoi? Waouh! Ça a de la gueule. En smaquois. Ça a de la gueule. Vraiment. Non, vraiment, ouais. Il a de la gueule. Il a rencontré niveau 9. Eh, quand même. Ouais, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Allez, vas-y, champion, montre-toi. Non, je pense qu'il faut aller par là. Ouais. Allez, encore, on va tester le nouveau Boxy. Boxy 2.0. Ce serait marrant qu'on puisse les renommer une fois qu'ils ont évolué. Mais bon, c'est pas encore au programme, je crois. Hein. Yeah! Boxy 2.0, il est deux fois plus puissant. Ça fait bizarre un peu quand même. Hein. On sent en... Mais bon, franchement, ils sont bien foutus. Ils sont carrément bien foutus. Ça fait plaisir. Je suis trop content, J'ai nouveau l'évoluer. J'ai hâte de voir à combien ils évoluent les autres. Parce qu'ils sont à peu près dans les mêmes niveaux. Bon, le starter, la plupart du temps, il a évolué niveau 16 si je me souviens bien. Donc la plupart du temps, c'est niveau vert. Ouais, 30. Ouais, entre 32 et 36, je dirais. C'est Pokémon Feu, ce sont 36. Ouais, c'est pas encore pour maintenant, c'est dans quelques épisodes. Mais bon. Par contre, les autres, on sait pas. Surtout Discount. Nickel. Bon, on va essayer une potion si j'en ai. Médicaments. Super potion. Ah, oh, bah j'en ai plein. Nickel. Ok, bah écoute, Boxy. Je veux le nouveau badge, Boxy! Donne-moi le nouveau badge! Vous êtes prêts, les gens? Alors, entry. Entry. Insert. C'est parti! Pour le combat contre Dustin. Par contre, gros, t'aurais peut-être pu te couper les cheveux avant, hein. Quand même. Quand même. Waouh! Ah oui! Ah oui! Ah oui, parce que là, ton. Ah oui, oui, il a bien évolué, hein, ton Knacky, là, c'est plus le même. Ok, c'est super efficace, mais ça fait pas de dégâts. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ouais, je vais garder, je pense que... Et si j'utilise Casse-Brique? Est-ce que c'est plus efficace? C'était un coup critique? Non, c'est pas efficace. Bon, heureusement, c'était un coup critique. Mais bon, lui aussi n'a pas d'attaque efficace contre moi.
Et là, j'ai largement l'avantage. Ça serait bien que je puisse l'avoir en une seule attaque, histoire qu'il n'utilise pas de potion. Merde, il n'utilise rien de potion. Bon. Et le problème, c'est que je vais arriver à court d'attaque de type O. Je le sens. Encore 8. Bon, moi, je pourrais avoir lui. Oh, elle est pas puissante, sa potion. Nickel. Critique, nickel. C'est parfait, ça. Oh, putain, t'as monté de dernier niveau. Non, on va pas changer. On va faire les aquajets parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. C'est super efficace. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Bon, c'est bien, c'est que lui, il a pas d'attaque très efficace contre moi. Ah, il va utiliser une potion, là. Il va utiliser une potion, je peux refaire mon attaque. Super potion, tu utilises. Ouais, c'est une plus grosse potion. Je sais pas quelle potion il a utilisé juste avant. Mais elle était pas ouf quoi. Allez, vas-y. Aquajet. Ce qui est bien, c'est quand ils utilisent une potion, moi je suis sûr de pouvoir les battre quoi. C'est le point positif. 1000 XP. Putain, je suis en train de booster. Boxy. On va garder Boxy. On va le garder. Ouh, là c'est un gros tas de sable par contre. Allez, Aquajet. Parce que comme c'est une attaque de priorité. Oh, nickel! Et je crois qu'il n'a plus de potion. Je crois bien qu'il n'a plus de potion. Écoute, Boxy, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Ok. Bulldoze. Yeah! C'est bon, les gars! Quatrième badge! Y'a quoi? Niveau 29, Simba! Yes! Là, je suis refait. That was awesome! C'est incroyable! Nickel, il est sympa en plus ce badge. Quatrième badge les gars. TM Quickstand. Bon, c'est une attaque qu'il utilisait donc. Ah là, je suis refait. J'ai pas galéré. Bon, eh bien écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À me dire en commentaire ce qu'il faut améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Dites-moi tout les gars et puis je compte sur vous. Ciao et peace.